Hey, salut tout le monde, Sir Styler et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode de la Horde. Donc aujourd'hui, voilà, on a une base qui est entièrement renforcée en acier, ça y est. Tout le sol là est en béton ou béton renforcé. Donc on devrait être plutôt pas mal. Dans l'épisode précédent, on n'avait pas eu de zombies kamikazes. Boomer, on appellera ça comme on veut. D'un côté, j'ai pas trop envie d'en avoir non plus, hein, mais c'est vrai que voilà, pour l'épisode, j'aimerais bien en avoir un ou deux pendant cette horde. Au moins tester, voir si ça résiste à une explosion ou pas. Donc voilà, ça va envoyer du steak, ça va défourailler comme d'habitude. Donc on n'oublie pas le petit pouce bleu, et puis bah c'est parti pour la horde du 43e jour. Un arbre carrément qui s'est cassé la gueule derrière quoi. Hey, ça dégage. Oh putain. Ah bah y'a plus de pique. Bon, la prochaine fois on va éviter de lui tirer dans la bombe dès le début, hein, ça pourrait être pas mal. Bon, la base a bien résisté, par contre les pics, ouais, bah du coup, ils y sont passés direct, quoi. Oh putain, Orlin. J'ai tué ou pas? Non. Ça va pas durer longtemps si ça commence comme ça. Ah, y venez, hein, les coups de peupon, ils sont gratos, les gars. Faut bien viser la tête, Arsailer. Vise bien la tête, hein. Voilà. Ah
Oh, lui, j'ai mis une paire de rafales dans la tête quand même. J'ai entendu le bip, j'étais pas serein. Ça fait combien de kamikazes qu'on a? Au moins 5 là? 6? Qui attend toi aussi? Ouais, j'en donne à tout le monde, moi. Styler, fournisseur de plomb officiel depuis 1840. Le peupon, il est plus si magique que ça, hein.
Pougnagna, pougna, pougna, pougnagna. Pougnagna. Mais c'est pougnagna. Je crois qu'ils vont péter mon échelle en plus. Schéma d'outils en acier, putain, je l'avais pas vu, je suis là. Voilà. Putain, ça, ça fait plaisir. Ah, intéressant. La base, elle aura... Là, il y aura eu du boomer. Là, vraiment, ça aura bien pété sec. Là. Ok, alors, du coup, on va en profiter pour aller faire un petit tour chez les traders, voir un peu ce qu'ils auraient de sympa à nous proposer. Donc, on va récupérer un peu notre pognon. On va récupérer ce qu'on pourrait avoir de sympa à leur refourguer. Modification de réservoir pour d'outils. Ok, c'est pour les outils motorisés. Pour l'instant, on n'en est pas là encore. Faut que j'ai une tronçonneuse, ça pourrait être utile. On va récupérer ça, ça. Je sais pas, de diamant. Ok. Du coup, on va réparer. Oui, un petit Didier au milieu de la route. Hello, bitches. Alors, on va te vendre ça, on va te vendre tout ça, tout ça. Voilà. Ah, mine de rien, niveau pépette, on est pas mal là quand même, hein. On est à 65 000. Alors, élixir de papy, 36 000. Donc ça, on s'en est servi il n'y a pas longtemps. Donc à la rigueur, on s'en fout un petit peu. Au niveau des bouquins, je les connais tous. Super, tu vois une moto. Là. Trop cool. Ok. Ouais, tu proposes rien de ouf. Hein. Regarde un petit Didier. Et copain. Bon alors. On est, je vais pas aller bien loin avec l'hélico là. Carrément, il gèle le bordel.
que c'est un petit peu glauque. T'as toujours un bûcheron qui se bat quelque part. Bon, l'avantage c'est que quand t'as la Sainte Masse, tu risques pas grand chose, mais. Et en plus, ça me réchauffe, c'est cool. C'est un moine qui me donne la Sainte Puissance en fait. Alors. Alors, qu'est-ce que t'as de beau me proposer? Porter, s'en fout, c'est toujours un livre de plus. Pierre, pillard, déchets. Ok. Ouais. Sinon, par ça, tu vois rien d'intéressant non plus. Je trouve que les traders quand même ils sont de moins en moins intéressants. En fait, arrivé à un stade en fait tu rachètes du laiton, de la poudre à canon, des trucs comme ça, mais je veux dire ils ont rien de à part les bouquins maintenant, sinon c'est vrai qu'ils sont pas. Ah, je vais apprendre ça aussi. Ils sont pas super ouf. L'essence en est à 398. Bon, peut-être ça ressortir le giro quand même. On va essayer d'aller jusqu'à celui-là quoi. Je vais le faire bien. Je pense qu'on va faire un petit arrêt dans la ville, là, histoire de dépiauter quelques voitures. Et après ce soir en off, je pense qu'il va falloir que j'aille farmer du schiste bitumeux parce que là. On va se faire le petit campement là vite fait. En plus, il y a une armerie juste à côté. Bah, en fait non, on va peut-être pas looter. On va peut-être juste se rebarrer en fait. Parce qu'il est 17h. Et à mon avis, j'aurai pas le temps de faire ce que je voudrais faire. On a pris combien d'essence du coup? 1000. Bah, ça devrait suffire vraiment pour aller jusqu'au prochain trader. Ouais, je suis un ouf, ouais. Alors, acheter. Je vais acheter deux fois.
18h32, on va être peut-être pile poil pour le dernier trader à mon avis. Ok, go. En fait, toi, tout est vrai chez toi, c'est cool. Alors, Didier. Trésor, one again to be. On en prend. Ça aussi. Après le reste, on s'en fout un peu. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, hein, franchement, il vend rien d'extra. J'ai même pas lu le bouquin. J'ai même pas lu ce qu'il voyait. Le deuxième, je l'ai lu, mais... Bon, seul petit suspense là, c'est va-t-on avoir assez d'essence pour rentrer à la maison? On n'aura pas assez d'essence. Mayday, je le répète, ici Air Styler, on va s'écraser incessamment sous peu. Aïe, yalla. En vrai, j'ai préféré me poser avec panache plutôt que m'écraser. Et voilà, les abonnés vont encore criser, mais j'ai pas le choix. Voilà, on est de retour à la maison. Ouais, bien voilà les amis, j'espère que ce petit épisode vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Si jamais vous souhaitez me soutenir, vous avez la possibilité de le faire en cliquant sur le petit bouton rejoindre, en fait, qui vous permet de me soutenir un petit peu financièrement, ou tout simplement d'aller regarder des petites publicités sur ma page Utip. Voilà, c'était Air Styler, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Portez-vous bien.